Bonjour, je m'appelle Eddie Martinet. J'ai 32 ans et je vis dans un foyer de jeunes travailleurs dans la banlieue de Saint-Étienne. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'une fille que je connais pas. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Leïla. Elle m'a annoncé que ma mère était morte depuis un mois. C'est bizarre, mais c'est le jour que j'ai toujours le plus craint. Mais là, je le prends avec un certain détachement. Peut-être que je réalise pas encore. Ou alors, c'est que je suis devenu un mec sans cœur. Comme mon père. J'ai brûlé tous les pneus en travers de ma route, en croyant qu'à Paris on cesserait de m'enfumer. J'ai chanté mes détresses aux quatre coins de leur télé, mais forcé de constater qu'ils n'en ont rien à foutre. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. À chacun son marché, quand on goûte la galère. Pour certains le caviar et pour d'autres les fruits de merde qui pourrissent sur le pavé en espérant qu'un badaud les ramasse discrètement pour nourrir sa colère. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Ça, mais tiens, on peut pas continuer comme ça, ça sert à quoi là? Mais quoi, on a fait une réunion, man. Tu te rappelles pas ce qu'on a dit à la réunion? Tu devais m'envoyer la maquette, le visuel, la photo, le clip que t'as jamais fait. J'ai rien, man. Tu veux que je démarche avec quoi? Mais je t'ai dit, je t'ai expliqué, je suis en galère. Le studio, ils veulent plus me laisser enregistrer chez eux. Je fais comment moi? Tu connais même pas le business. Et le studio, arrête de. Tu me la fais pas comme ça. Le studio, ils m'ont appelé. Je sais que tu leur dois 600 balles. Ah, le studio, ils t'ont appelé? Mais bien sûr, ils m'ont appelé. Tu crois que c'est comme ça? Je suis ton manager. Il est ouf. Mais tu connais ça quoi? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas trouver un autre manager. Comme ça, regarde, je vais te donner un truc parce qu'après les gens ils vont parler, ils vont dire que voilà, là-dessus il y a les numéros, des salles, des concerts, tu sais quoi, tu les appelles et tu te trouves un autre manager, moi je travaille plus avec toi, tu vois. Ah c'est comme ça que tu le prends, Mehdi? Ouais, c'est comme ça que je le prends, tu crois quoi? T'es un ouf toi. Oublie-moi moi, c'est pas comme ça moi. Vas-y, salut man. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à Max, s'il vous plaît? Oui, allô, bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais parler à Mathieu, s'il vous plaît? Ah, enchanté, je me présente, je m'appelle Marco Calderon. Voilà, je vous appelle en fait parce que je me produis en fait le 16 mars à l'annexe. C'est un bar dans le 13e. Et en fait, je voulais vous proposer de venir m'en voir sur scène. Oui. Non, mais c'est parce que je recherche un producteur et voilà, j'aurais aimé que vous entendiez certaines de mes chansons. Oui, mais... Comment? D'accord. D'accord.
Bah excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, c'est parce qu'en fait je cherche un tourneur. Et voilà, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. C'est le 16 mars. Ouais, c'est l'annexe. 20h. Merci bien. Au revoir. Bonjour, tenez. Bonjour, monsieur, dame. Où ça? Bonjour. Donc quoi, pas toi? La forme? Bien. Ouais, ça va. Rachid, ça bien? Enchanté, Rachid. Rachid, enchanté, la forme. Eh les gars, j'espère que vous allez voter. Mélenchon, l'humain d'abord. T'inquiète, l'humain mon d'abord. Pote, cette fois, je sais pour qui je vais voter. Go, Marine, go! Go! Arrête, mon pâteau, je blague pas, là. Mais je déconne pas, cette fois, je vote FN, mon pote. Attends, c'est quoi ton délire, là? Mais c'est pas un délire. Le FN, c'est les seuls à avancer démasqués. Avec eux, tu sais où tu vas. Ils aiment pas les noirs, les bougnoules et encore moins les musulmans. Mais t'es un malade, mon frère. Oh, réveille-toi, là. Tu veux que je vote pour qui? Pour les autres, là? Ils peuvent pas sentir les mecs comme toi et moi. Regarde-toi, Moussa, regarde ta gueule. T'es noir, musulman, tu représentes leur pire cauchemar, tu donnes des tracts. Je fais pitié. Mais t'es con, quoi. Si le FN y passe, t'es le premier à morfler, mon frère, et toi aussi. Comment je l'ai chauffé en 2-2, mais tu comprends rien, je m'en fous des élections, je vote pas, je vote pour personne. Non, arrête, arrête, toi aussi, arrête. Non, Moussa, sérieusement. Et ils font des réunions, tout ça, communistes, ouais. Tout ça, non? Ouais. Il y a des petites déléguées OP pour le partage. Vas-y, tu sais quoi? Qui aime bien le partage. Non, mais frère. L'international. Pousse. International. International, non partage, entre... C'est pas ça le délire. Putain, frère. Pousse. Bonjour. On est ensemble. Regrouper en communauté pour mieux nous menotter. L'hypocrisie politique empêche mes frères de voter. Je suis l'arbre qui cache, ivri sur scène et le bal fourré. Mais je suis pas de ceux qui veulent violer Marianne à demi bourré. Je vais faire de loin courtiser Manuel Béard. Assis avec les sans paplards à l'église Saint-Bernard. J'ai pas le sourire, éternel qu'adore les skins. Reste une piste fraternelle à Malik ou Sekin. J'emmerde votre discrimination positive. Nouveau leitmotiv d'une France émotive. Bon, Marco, il faut y aller maintenant. Hey, s'il te plaît, laisse-moi juste 5 minutes, il y a grave du monde qui doit venir. Écoute, on a déjà 20 minutes de retard. Tu n'es pas la seule à jouer ce soir, il y a un autre groupe qui va jouer après toi. Hey, s'il te plaît, juste 5 minutes, je te dis, il y a des gens super importants qui doivent venir me voir jouer sur scène ce soir. Ah, 5 minutes de plus, c'est tout. Tu as compris? Sinon, j'annule ton passage. Tu as compris? Thank you.
toujours eu la poisse dans ma vie. Je suis né dans une famille dans laquelle personne n'aimerait naître. J'ai toujours rencontré les mauvaises personnes. Ou quand je rencontrais les bonnes, c'était au mauvais moment. Enfin, j'y crois pas, une bagnole qui s'arrête. Pour une fois, j'ai un peu de chance. J'ai passé 4 heures enfermé dans cette bagnole avec un type et je serais incapable de dire à quoi il ressemble. Il m'a bassiné avec le duel Sarko-Hollande. Il était à fond pour un des deux, mais ne me demandez pas pour lequel, je sais pas, je m'en rappelle plus. De toute façon, les hommes politiques, c'est tous les mêmes. Des enculés qui veulent nous enculer. Ouais, hé Karine, je suis à la Bibli là, je peux pas trop te parler, je te rappelle. T'as écouté mon message? Pourquoi tu l'as pas écouté? C'est Franck qui m'a acheté de chez lui. Je te jure. Ah, laisse tomber, je t'expliquerai. Je t'expliquerai, je te dis. Bon, arrête. Je suis à la rue. Je voulais savoir si tu pouvais m'héberger le temps que je trouve une chambre quelque part. Oh, t'es relou. Bon, j'ai couché avec Nico. Et il m'a laissé un message de Lover. Et Franck, il est tombé dessus. Oui, je sais, je suis conne. En même temps, Franck, à part son taf, son appart et son oseille, je kiffais pas grand-chose chez lui. Oh non. Y'a Nico qui arrive. Je peux dormir chez toi ou pas? Merci, tu me sauves la vie. Vas-y, je te laisse. Ça va, bébé? Bon, hey, je te préviens, c'était là, c'est pour bosser. C'est bon, respire. Tu sais que je suis à la rue à cause de toi? Je t'ai dit, j'ai pas fait exprès. Ouais. Mais je peux t'héberger si tu veux. J'ai demandé à ma mère, elle a dit qu'elle était d'accord. Mais même pas en rêve. Au choix, au bébé, au pays, on compte sur moi, t'es sous Renoir, j'suis prêt à tout saloper. Au pays, au pays, au roi, t'es un gros Renoir, t'es comme j'en ai une flopée. Où ça? Oh, Marco. Ça va, mon pote? Ça va, toi? Ça me promène à la salle, toi? Bonjour, mais t'es pas en tenue, toi? Non, mais je vais aller m'habiller. J'ai une galère. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis passé à la librairie, je t'ai pas vu là. Non, je travaille pas aujourd'hui. T'as eu mon message ou pas que je t'ai laissé? Ouais, j'ai. Mais là, franchement, je peux pas. 600 euros, pour moi, c'est trop chaud. C'est trop, trop chaud, Franck. Déjà, tu me dois un peu d'argent. 600 euros, 700 euros, ça fait 1003, tu vois. Mathieu, je suis en galère, j'ai plus de manager. Je peux pas finir mon album. Moussa, ça fait 3 piches que je bosse dessus là. Je me retrouve en rien, j'ai pas les 100 balles et ton ballot. Je sais, tu me dis ça à moi. Attends, mais tu peux pas rester comme ça, faut que tu trouves une solution. Je sais pas, moi. Ton appart, il est grand, fais une sous-location ou je sais pas, une coloc ou un truc comme ça, tu vois. Vas-y, je vais réfléchir à Moussa. Mais bon, c'est parce qu'il me fallait l'argent là que je t'ai demandé, hein. Sinon je t'aurais jamais redemandé. Je sais très bien, je te donne l'oseille. Vas-y. Bon, poteau, vas-y, j'arrive, je me mets en tenue. D'accord. Prépare les gants, hein. Bah, tout de suite, vas-y. Hein, on va monter sur le ring, on va voir. Voilà, ça va te défouler, ça va te détendre, tout vas-y. Ça. Vas-y, okay. Je t'en prie, frère. Oui. Et les Français que nous avons interrogés. Hey, tu veux pas mettre un peu de musique, s'il te plaît? Ils nous disent plutôt. Ça me saoule, là, d'écouter ces connards. Attends, c'est bientôt terminé. T'es relou, hein. Tu pars à quelle heure demain? J'ai cours à 9h, donc je pense que je vais décoller vers 8h30. Ok, hey, tu me réveilles pas? Après, quand tu me réveilles, j'arrive plus à me rendormir. Ok. Mais tu viens pas en cours demain? Tu vas rentrer tard? Non, je pense pas. C'est que la femme de Michael, elle est relou en ce moment. Je pense qu'elle a des doutes. Franchement, tu te mets dans des histoires, Karine. Je comprends pas. T'es sûre que tu veux pas venir avec moi? Non. Allez! Non, j'ai la flemme. Tu sais pas ce que tu loupes, hein? Le pote de Michael, il est blindé en plus. Tu sais pas ce qu'il a fait la dernière fois? Il a laissé en tips 500 euros à une serveuse et sur le billet il a écrit rappelle-moi si t'en veux d'autres. Non. Si, je te jure. Elle a fait quoi la meuf? Bah elle a même pas rappelé cette conne. Attends, c'est normal, moi aussi j'aurais fait pareil. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Attends, tu me prends pour une pute ou quoi? Attends, ça a rien à voir. Hein. Bah si. Bah non, t'es pas obligé de coucher avec. Tu sors avec lui, tu vas boire un verre, tu vas au resto et après tu l'endors. Ça te sort de tes galères de thunes, hein? Karine, jamais de ma vie je me mets avec un mec pour l'argent, t'entends ça? Mais Franck, t'étais pas avec lui pour l'argent, s'il te plaît? Mais t'es malade ou quoi? Il a jamais rien lâché, Franck. C'est ça, ouais. Je te jure. Hé, tu penses à ce que je t'ai dit un peu, là? Parce qu'il faut que tu sois partie dans 4 jours max, hein.
annonces de colocation, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. Ah. Non, bah c'est pas grave. Ok, je vous remercie en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bah écoutez, moi je suis disponible quand vous voulez. Ah non, un mois c'est trop tard, moi il me le faut tout de suite. Non, j'ai pas de garant. Bonjour. Voilà, je cherche une colocation et j'ai écrit une annonce. Je voulais savoir si vous pouviez l'afficher sur le comptoir. Ok, sans problème. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Attendez. Oui. J'ai un ami là qui sous-loue une chambre dans son appartement. Donc si vous êtes intéressé. Ah, oui. Voilà. Oui, c'est urgent justement. Donc. Bon. Premier abord, il a l'air un peu bizarre, mais il est très gentil, c'est une personne sérieuse. Hein. Bah écoutez, pas de problème alors. Vous D'accord. avez mes coordonnées. Donc, oui, donc je vous mets en contact. Bah merci beaucoup. D'accord. Vraiment, c'est gentil. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bah écoutez, hein, moi de ce que j'en ai vu, ça me plaît, donc pour moi tout est bon. Juste un petit truc. Avant que moi je te dise si c'est ok pour moi, j'ai préparé un petit questionnaire rapide. Ouais. En fait, c'est pour me permettre de te connaître un peu mieux. C'est parti ? C'est parti. Alors, question numéro 1. T'es plutôt Jacques Brel ou Christophe Willem ? Donc, eh bien, je dirais Christophe Willem, parce que c'est un peu plus ma génération. D'accord. Donc d'un côté, t'es un monument de la chanson française, de l'autre côté, t'es un gars qui se fait surnommer la tortue. Toi, tu choisis la tortue. Deuxième question. River Plate ou Boca Junior ? River Plate. Évidemment. Pardon. Non mais c'est parce qu'en fait, je voulais savoir si c'était de vrai le questionnaire ou si c'était une blague. Non, attends. Et là, j'ai l'air de blaguer, sérieux ? Non. Non mais moi, le but de ce questionnaire, c'est justement pour dresser un petit peu ton profil psychologique, savoir à qui j'ai affaire. On va faire la dernière question. Hugo Sanchez ou Hugo Chavez ? Hugo Sanchez. Bah écoute, hein, félicitations, tu viens me faire un trick. Ça veut dire que j'ai bien répondu là ? Non, un trick, ça veut dire que je t'ai posé trois questions et les trois réponses que tu m'as données, c'est exactement l'inverse de ce que moi j'aurais répondu. Donc pour une colocation, je te cache pas que ça me paraît très très compliqué quand même. Attendez, vous plaisantez ou quoi ? Et puis de toute façon, moi j'en ai besoin de cet appartement. Sinon, je suis à la rue, vous comprenez ? Je suis super gentille comme fille, je suis discrète, vous me verrez même pas. Bon, écoute ce que je te propose. C'est qu'on fasse un essai et qu'on voit avec le temps comment ça se passe. Merci. Vous serez pas déçus, je vous jure. D'accord, par contre, il y a juste une chose extrêmement importante. Le moment où tu viens t'installer ici, faut que tu me payes 3 mois d'avance. Oui, c'est la chambre, c'était 200 euros, c'est ça ? Ouais, 200 euros x 3, ça fait 600 euros. Donc ça veut dire le moment où tu viens t'installer ici, faut que tu me donnes 600 euros direct. Il y a pas de problème. Qui exigeront le respect de notre peuple ? Face à l'explosion du racisme anti-blanc et anti-français. Qui semble légitimé. Intéressant à démontrer, c'est la différence entre le pronostic de victoire et le souhait de victoire. Qu'est-ce que ça donne ? Alors oui, alors a priori, ma partie, qu'est-ce que... Allô, c'est Cynthia. Et là, c'est encore un non plus affirmatif, c'est-à-dire 58% nous disent qu'ils n'aimeraient pas que Nicolas Sarkozy gagne cette élection. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Ils n'aimeraient pas qu'il soit élu, et à peu près un quart de ceux qui ont voté pour lui au second tour. Donc là, on voit... J'entends bien que tu respires. On m'a dit pour maman. Et en souhait de victoire très bas, et c'est là où les gens avaient commencé à se dire tiens, il y a peut-être un problème. Ça reste cohérent quand même, hein. Ouais, oui. Ce qui est clair. Allô ? Allô ?
gagner cette affaire, Thomas. Nous allons jouer avec des mots de 9 lettres. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour vous à la maison. Première lettre, le P. Poulaine. P-O-U-L-A-I-N-E-S. Ça va ? Passager. P-A-2-S-A. T'as toujours pas appelé ? S. Ça va faire deux tirs à tir dans l'autre sens, Thierry. Voilà, t'as laissé le début, hein. On va lui laisser le temps de s'installer, à Delphine. A tout à l'heure, Delphine, marque une lettre bonus à Vassis. Ok. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais, mon cher ? Il t'a même pas appelé, Cynthia ! Reste là, s'il te plaît. Bon, vous savez comment on procède, hein ? Je vous laisse faire. Allez. 16. Ouais. Alors, ça a été ce matin? Ouais, ça a été, c'était vachement calme. Ah bah c'est cool. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien un verre d'eau, ouais, s'il te plaît. Ok. Ah bah au fait, je t'ai pas dit. Quoi? J'ai peut-être trouvé un appart. Ah trop bien. Mmh. T'emménages quand? Oula, pas trop vite. Le gars, il m'a demandé 600 euros d'avance pour le loyer. Je lui ai dit oui, évidemment, mais j'ai pas de sous. Je sais pas comment je vais faire. Bah, demande à ton père, hein. Ah non. Non, mon père, oublie-le, il est suffisamment en galère pour payer le sien. Attends, dans le patelin dans lequel il vit, ton père, il a du mal à payer son loyer? Il est au chômage, je te l'ai déjà dit, je peux pas lui en vouloir. Je pense que s'il pouvait m'aider, il le ferait. C'est quoi, c'est moi qui vais te les prêter, les 600 euros? Tu pourrais? Bah oui, bien sûr, je peux. Ouais, non, Karine, c'est quoi, c'est gentil. Merci, mais je vais trouver une solution. T'inquiète pas. T'es sûre? Ouais, c'est gentil. Salut Leïla. Salut. Ça va, je vois que tu t'installes. Ouais, tout doucement. C'est cool. Dis-moi, je voulais te demander, est-ce que tu avais pensé, tu te rappelles les 3 mois de loyer d'avance Ouais, je les ai, il n'y a pas de soucis. Bah, je finis de ranger, puis je te les apporte. Ah, tu les voulais maintenant, peut-être? Je sais pas, comme ça, tu vois, c'est fait au moins, non? Je sais pas si tu les as ou... Tiens. Ah bah si, en plus tu les as, c'est cool. Bon, je te fais confiance, hein, je vais pas compter. Ouais, ce qu'il faut, t'inquiète pas. Merci, bah écoute, bienvenue chez toi du coup. Merci. Vas-y, je sors là, bah bon courage pour la fin de ton rangement. Merci, c'est gentil. Et je te dis à tout à l'heure. D'accord. Ciao. Salut. Pour ajouter une ligne à mon dossier déjà bien chargé, ma copine est enceinte. Vous imaginez? Moi, devenir père. Pour moi, un père, c'est un enculé. J'ai peut-être pas eu le bon modèle sous les yeux, mais ça, j'y peux rien. Donc si mon raisonnement est bon, je vais bientôt devenir un enculé, moi aussi. Paris.
fait une éternité que j'y ai pas mis les pieds. De ces trois boutiques à la voiture Bélier. Ils rentrent les voitures dans les rideaux, ils ont foncé, puis ils ont tout ça brûlé, ils se sont sauvés, puis. Et c'est là que ça a fait un dégât, ça a chauffé toute la voiture, vous voyez là, ça s'est écroulé. 17 ans que ce commerçant travaillait dans cette boutique, ni surpris ni en colère. Ta femme, un massacre, quoi qu'il advienne, que leur baltringue de candidats viennent, tant qu'on les pend ou qu'on les traîne, un social club étant financier. Tous les influençables, peu nuancés et nul en son, essaie de repenser à ce projet de te lancer. Longtemps que j'ai délaissé l'idée. Qui là? Tu crois que finis ce bordel là? Non mais qu'est-ce que tu veux toi? Je t'ai dit de toquer chez moi! J'en ai marre de cette musique de merde! Eh vas-y, retourne chez toi! Ah, putain! Cassez les couilles, me fie là, c'est ton culé là! Ils sont pas débattus et nous avons parce que là en tant que militant, je crois que du point de vue du racisme, on est en train de régresser comme jamais. Alors la droite, on est retourné quand même. Ouais, je suis lancé parce que ça me touche beaucoup que. La droite face à sa démagogie pour courir après les électeurs du Front National, et j'allais dire, j'allais presque dire des habitudes, sinon on ne s'habituera jamais. Mais quand à gauche, on n'est pas capable de répondre à la question est-ce qu'il y a trop ou pas d'immigrés en France, je crois qu'il y a un bon malaise, alors moi, l'anglais, je vous dis, il y a trop de racisme, 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 il y a trop de racisme. 35 heures. Deux autres sont des parlementaires désespérés par leur situation financière. Un bologne du Grand-Nord, un garçon italien de 58 ans, inverse ce mercredi de l'écran sur son corps dans sa voiture avant de mettre le feu. Poursuivi pour fraude fiscale, il a tenu son geste devant un centre des impôts. Ce jeudi, c'est un maçon marocain de 27 ans qui s'est immolé à Vérone. Il a hurlé juste avant qu'il n'avait pas été payé depuis 4 mois, selon la police, qui dit s'être précipité pour éteindre les flammes. Marco ? Ouais. Excuse-moi, tu peux venir 2 secondes ? Attends, lassé par la misère et la corruption, l'immolation qui a semé les graines de la révolution. Salut. T'as dormi? Du moins, y a pas de mur dans la salle de bain? Ah non, j'ai pas de miroir. En fait, je t'avais pas dit, là, y'a aucun miroir dans la maison. Comment je fais pour me maquiller? Ah, écoute, tu fais comme moi, tu restes naturel. Pas besoin de te maquiller, non? Attends, c'est quoi ton but? C'est quoi le projet, là? C'est de te maquiller pour plaire à qui? Plaire à la société? L'important, c'est pas à un moment donné d'être bien dans tes baskets et de sortir comme t'as envie. Que ce soit la Syrie, que ce soit la foutue du regard des gens. Ok, je vais aller me doucher. Bah, écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis dans ma cuisine, je fais la vaisselle. Non, mais j'ai besoin d'un miroir. Je sais pas moi, normalement dans un studio il y a au minimum une cabine, je sais pas, une console pour mixer le son. Je t'arrête tout de suite.
Qu'est-ce que tu t'y connais en studio, toi? Déjà, tu viens ici, je te dépanne, tu payes pas, c'est gratos. Et en plus, tu te prends pour Jay-Z. Ça n'a rien à voir, c'est juste, je te dis, là, c'est petit, je sais pas, je trouve, pour enregistrer... T'arrêtes tout de suite, Marco. T'es pas content, tu vas voir rien. Maintenant, je te fais écouter un truc, et après, si tu veux, tu parles. D'accord? Et après, tu pourras jacter. La sonorité que je voulais, mon vieux matos n'est plus un boulet. Je suis resté dans la surface. Tu la basses. Je m'agrippais lorsque je soufflais. Lorsque le turf était truffé de poulet, je pourrais, c'était ce que je voulais. Le violon. J'ai passé mes flots sous le manteau. Kickais des tracks avec mes spunta et mon pote. Ça, pour les gosses et les abroches, comme mon style excité. Je me sens comme ressuscité. Comme si je revenais pour exécuter. Ce soir pendant, et le roi est con sur son trône. Je parierais pas qu'il est allemand. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Salut! Il crie. Ah, salut Léa, ça va? Ça va? Bien et toi? Oh! Quel t-shirt? De quoi que ce qu'il a en t-shirt? Bah, je sais pas, tu sors avec? Si je sors avec? Bah, bien sûr que je sors avec, c'est quoi le problème? Bah, je sais pas, je trouve qu'il est un peu violent, hein. Bah, y'a quoi de violent là-dedans, Léla? C'est juste une tête avec un petit logo, c'est quoi le problème? Ouais. Ah non, y'a pas de soucis là-dessus. Putain, on va voir un t-shirt, t'as vu le mien? François Hollande, je reviens du meeting. Eh, c'était trop bien, il y avait une ambiance de. Écoute-moi, il va déchirer. C'est lui qui va changer. Attends, Léla, attends. Tu peux prendre juste. Prends ces trois assiettes, tu me les mets juste à côté du four. Mais fais gaffe, attends, ça coule là! Ça va, oh, c'est bon là, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais fais gaffe, ça va couler après. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça fait des taches après par terre. Tu t'en fous quoi de la politique? Qui t'a dit que je me foutais de la politique? Bah je sais pas, à chaque fois que je t'en parle, tu réagis pas. Attends, attends, c'est la première fois que tu me parles de politique. Putain, tu rigoles quoi? Et les présidentielles, là, j'arrête pas de te prendre la tête avec ça, c'est pas de la politique ça? Les présidentielles, c'est une mascarade. Les présidentielles, c'est des gars qui sont là uniquement pour avoir quoi? Le trône. Et allez hop, je m'installe pendant 5 piges, et vas-y que je me fais du caviar, du champagne à tous les repas, et vas-y que je prends des jets privés. C'est ça la politique pour toi? Ouais mais rassure-moi là, tu vas voter au moins. Et là, la question, elle est même pas de savoir si non, je tu vote... votes ou tu votes pas. Je vote pas, je ne vote pas. J'ai voté des années, moi, d'accord? Ça m'a amené où? Je suis où maintenant, là? Ils ont fait quelque chose pour moi, ces gens-là? Eh, là, non, Leïla, tu reviens. Oh! Non, mais d'ailleurs, il y a un truc faut qu'on parle, à la vaisselle, là. Tu crois que je vais me la taper tout le temps, à Vita Metaran? Faut qu'on fasse un planning, tous les deux. Oh, n'importe quoi, 20 piges et ça croit que ça va changer la planète Terre. Leïla, excuse-moi, c'est toi qui... Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as le dentifrice, il est pas là. Non, c'est pas moi qui l'a, mais t'es sérieux là quand tu rentres comme ça? Ouais, c'est bon, j'en ai vu d'autres. Non, mais peu importe, vas-y, sors là. On peut même pas avoir d'intimité, on se connaît pas. Ouais, c'est bon, je sors. Oh, le truc de ouf. Vas-y, ça va. Putain. Oh, maintenant, faut toquer à la porte. Attends, tu vois pas que ça arrive ou non? Non, mais bouge, j'en ai dans les yeux maintenant. Salut, Jean. Qu'est-ce que tu me veux? Écoute, j'ai appris pour ta femme, je suis désolé. Tu peux me laisser, s'il te plaît? J'ai envie d'être seul. Cynthia souffre de plus de voix. Tu crois pas que c'est le moment de renouer le contact avec elle? Je vais être seul, je te dis. Tu fermeras la porte en partant. Ok, je te laisse. Au fait, t'as eu raison de plus venir aux réunions du parti. T'avais plus rien à y faire. C'est ça. Barre-toi. Là, je repasse un jour. C'était
rester pour savoir si... C'était pour savoir... Bonjour, je vous appelle pour l'annonce pour les ménages. Excusez-moi de vous déranger, j'appelle par rapport à l'annonce pour le... Je suis désolée, je dis si vous avez peut-être des amis qui cherchent quelqu'un pour le ménage aussi. Ok, je vous remercie. Hey, tu fais quoi ce soir, Moussa? Ça te dit de passer à la baraque? Ah, ce soir, je peux pas, je joue au poker avec des potes. Sérieux? Y'aurait moyen que je vienne ou pas? Attends, tu veux venir pourquoi? T'as pas d'argent? Ah, vas-y, c'est bon, t'inquiète, j'ai un peu d'oseille en ce moment. T'as braqué une banque ou quoi? Je viens, j'amasse. Bon les gars, on pose les blindes. Tiens, ben voilà ta blinde. Ok. Je relance. 40 euros. Moi je me couche. Moi je le suis, Marco. Je relance des 120. Je paye. Je suis, mon pote. Je vais tous vous rafler, bande d'enfoirés. Tu casses les couilles, William. Tu te la racontes trop. Joue un peu, joue. Oh, c'est bon. Allez. C'est bon. Oh, ok. Check. Descends-le. Collé. Attends, Marco, tu vas te foutre dans la merde, là. Tu fais n'importe quoi. Vas-y, c'est bon, Moussa, je suis déjà dans la merde, là. C'est un peu trop pour moi, les gars, je me couche, là. Eh ben, bonne nuit, mec. Check, check. Vas-y, check. Oh, Moussa, t'es un croupier, mec. La carte que j'attendais. Tapis. Attends, tu mets le tapis là? Comme tu m'as dit, tu vas trouver un manager. T'as pas encore trouvé un manager là? T'es en galère ou quoi, mon pote? Mais vas-y, trouve-le ton manager. Moi, c'est pas moi ton manager. Oublie-moi, je t'ai dit. Donc, oublie-moi, ça veut dire tu prends ton téléphone, tu effaces mon numéro. Ok, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, mon pote. Garde la pêche. Oui, vas-y. Eh, tu sais quoi? Vas-y, salut, salut. Faisant de nous les cocus de la République française.
chaos. Nous sommes les enfants du chaos. Son Altesse, tu déconnes. La France aura ta peau. La France est chaos. Nous sommes les enfants du chaos. Son Altesse, tu déconnes. Le peuple aura ta peau. Les 20h, les voici les deux qualifiés pour le second tour. François Hollande, 29,3%. Nicolas Sarkozy, 26%. Alors que vous allez découvrir derrière moi, eh bien, la mutualité. On ira en direct dans un instant. Sonia. Troisième position, Marine Le Pen, la candidate du Front National, avec 18% selon notre estimation CSA. Elle devance donc, vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon. Ah, vas-y, bon, ça c'est bon là. Tout à l'heure ça tourne en boucle. On peut passer à autre chose, non? Eh, hey, mais Marco, je regardais là. Mais c'est bon là, c'est mort. Eh, hey, Mélenchon, il a même pas fait les 12% là. Et alors, c'est pas une raison, moi je suis venu pour ça. Qu'est-ce que tu prends la tête avec la politique, ça hein? T'as même pas le droit de vote, mon frère. Ouais, bah, t'inquiète pas pour moi. Ah, mais par contre, s'il te plaît, là, j'ai l'impression que ça saoule tout le monde, mais au moins des écouteurs. C'est quoi cette tête que tu tires, toi? Toi, tu devrais être contente, là! Contente? Avec le FN qui fait 18%? Je crois pas, non. Ah, parce que toi, le FN qui fait 18%, ça te choque? Mais bien sûr que ça me choque. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Tu l'entends, Moussa? Qu'est-ce que t'es naïf, quand même. Eh, hey, mais Moussa, n'empêche, hey, c'est ton pote Jacques, là, qui doit être super content. Les 18%, il doit kiffer, hein. C'est pas mon pote, c'est enfoiré. Là. C'est qui, Jacques? Jacques, tu sais, c'est le voisin du dessous, là, le vieux facho, là, qui est venu sonner une ou deux fois, là, parce que je mettais de la musique à fond. Mais comment vous savez qu'il vote FN? Il me l'a bien fait comprendre. Avant, on militait ensemble et petit à petit, il a changé de bord. Non mais franchement, vous êtes dingue ou quoi? Vous connaissez un mec qui vote FN et vous essayez pas de le raisonner? Attends, tu crois que j'ai pas essayé? Franchement, il est borné ce type. Bien comme ça. Hein? Mais là, je te parle. Mais tu vas où? Mais pour une fois que je bosse. Il est seulement 14h dans ce centre commercial d'Aulnay-sous-Bois. Fermeture du magasin. C'est ainsi depuis 3 mois. Bonjour, je suis votre voisine du dessus. Enfin, je voulais m'excuser pour le bruit que fait mon colocataire et puis je voulais prendre de vos nouvelles. Je voulais savoir si tout. Attendez, je suis désolée. Non, attendez, je vous ai pris tout seul. Là. Je trouve ça dommage de ne pas se connaître entre voisins. Non, merci, hein, j'ai pas soif. Vous savez que vous devriez pas boire comme ça dès le matin. Les plus criminogènes de France, selon son préfet, alarmés par la montée de l'insécurité. Dans une note de juin dernier, révélée par nos confrères du Monde, Jean-François Cordet alerte le ministre de l'Intérieur d'une recrudescence de la délinquance peu connue jusqu'ici et depuis de nombreuses années. Chiffre à l'appui. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Tiens, colle les pouces. Voilà. Mais c'est quoi le rapport avec mon entretien d'embauche là? Tu vas voir, fais-moi confiance, ok? Voilà. Non, c'est bon, ça me saoule, genre ta préparation mentale, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas comme toi, Moussa. Tu vois, toi, tout ce que tu le fais bien. Tu veux une librairie, tu montes une librairie, tu t'inscris à la boxe, t'es tout de suite bon. Moi, je suis pas comme toi. Eh, Cynthia, faut que tu te battes. Il faut que tu leur montres qui tu es vraiment. Tu comprends ça? Rien que pour téléphoner pour un entretien d'embauche, y'a plus personne. T'es une flippette ou pas? Non, je suis pas une flippette. Ah bon? T'es sûr? Ouais. T'es pas une flippette? Vas-y, montre-moi. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, pas mal. 1, 2 déjà. 1, 2. Voilà. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Tu respires dès que tu donnes un coup. Allez. Ferme pas la bouche. Laisse partir. Laisse sortir. C'est ton énergie aussi. D'accord? D'accord. 1, 2, 3. Voilà. Montre-leur qui tu es. Ok? Allez. 1, 2, 3. Voilà. Gros droit.
trop pour moi, c'est comme les négriers qu'emmenaient les Africains de l'autre côté de l'Atlantique. Tous ces mecs en costard, c'est tous des tolards et ils le savent même pas. Ils contrôlent rien de leur vie. Et ils croient tenir le volant. Pour eux, le bonheur, c'est d'être obligé de te réveiller avec les poules. T'entasser dans le métro et être enfermé dans un bureau jusqu'à une heure que t'as pas choisi. Et être payé juste ce qu'il faut pour survivre. Allez vous faire foutre avec votre bonheur. Ça sent le brûler là, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est n'importe quoi, on fait pas cuire des raviolis comme ça. Mais vous allez foutre le feu, c'est avec une casserole. Ça fait des années que je suis comme ça là. Mais non, vous allez foutre le feu là, et puis c'est dégueulasse de manger ça. Moi j'aime ça. Bon, laissez-moi faire, je vais faire quelque chose de bien. Franchement, c'est plus possible hein, de manger n'importe quoi. J'ai regardé dans vos placards, y a rien d'équilibré. Faut acheter des fruits, des légumes, des produits frais. Hein. Faut faire attention à vous, faut bien se nourrir. Je parle dans le vide. De toute façon, j'ai bien vu que vous intéressiez pas aux gens. Pourquoi tu dis ça? Bah, ça fait une semaine que je viens vous voir tous les jours. Vous m'avez même pas demandé comment je m'appelais. Bah, comment tu t'appelles? Layla. T'es pas italienne, toi? Ben non. Mon père, il est algérien. Allô? Ouais, maman. Ça va et toi? Ah, je pourrais pas ce soir, maman. Non, on a répète avec le groupe, là. Ouais, parce qu'on a un gros concert à préparer, là. Ouais. Non, sans faute, je te rappelle dans la semaine, t'inquiète. D'accord. Ok, vas-y, merci. Toi aussi. Ok, toi aussi. Allez, au revoir. Pourquoi tu lui mens? T'es vraiment en galère, trouve-toi un boulot. N'importe quoi, mais tu peux pas te laisser aller comme ça. C'est ce que c'est, toi, de se dire qu'on est en train de rater sa vie? T'exagères pas un peu, là? Bon, je vis du RSA. Je suis en galère dans ma musique. J'ai aucune perspective professionnelle, j'ai pas de gonzesse. T'en connais beaucoup, toi, camarade, dans ma situation, mon âge? T'es gêné? Non, pas du tout. Si, t'es gêné là. Ah non, je te dis, je suis pas gêné. Attends, si t'es gêné, je te dirais, je suis gêné, je suis pas gêné, je te dis. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux te dire un truc, Layla. Je me suis juré que j'arriverais à vivre de ma musique. Mais ma parole, je préfère crever plutôt que d'échouer. Ça, c'est moi qui te le dis. Allô? Oui, c'est moi. Non, super. Non, aucun problème. Demain matin, première heure. D'accord, très bien. Très bien, je vous remercie. Au revoir. C'est qui? Tu as une future hôtesse de caisse. C'est pas vrai. C'est le boulot? Un. C'est bon? Un. Je suis trop content pour toi. Un peu stressé quand même, je commence demain matin. Non, faut pas. Allez, viens, on va fêter ça. Attends, faut qu'on aille faire les courses, tout ça. Non, les courses, ça peut attendre. Viens, je t'invite au resto. Ah.
je crois que continuer à supprimer, en l'occurrence, un professeur sur deux, c'est une erreur, compte tenu de la situation actuelle de notre école. Alors, il a dit qu'il est renoncé pour le premier degré. Hein. Quant à François Hollande, lui, il est dans la démagogie. Attends. Avec ses 60, la proposition de 60 postes supplémentaires. Moi, je suis dans la voie de la raison, hein, de la sagesse. Regarde-moi celle-là, je comprends pas qu'on puisse la laisser s'exprimer en public. Au-delà, tout le monde a le droit de s'exprimer. Elle m'énerve, je peux pas la voir. Comment on peut voter pour elle? Non mais franchement, faut vraiment avoir une vie terrible, remplie de haine. Bah, s'il y en a qui votent pour Marine, c'est qu'ils y trompent leur compte. Bah, c'est ce que je te dis, ils ont une vie terrible. Non, je suis pas d'accord avec toi. Marine résout les problèmes aux gens qui les vivent, ok? Pourquoi tu t'énerves? T'as quand même pas voté pour elle? Je vote pas. Hein. Non mais elle est pas pire que les autres. Hein. Non, quand même irresponsable. Bon allez, joue, c'est à toi. Mais pas assez vite, on continue à sacrifier des enfants. Il y a 40% de nos enfants... Tiens, allez, en fait, cet après-midi, j'étais faire les courses, je t'ai pris 2-3 trucs à te grignoter, là, c'est dans le frigo. Ouais, ouais. Oh, tu m'as pris des crèmes caramel. Ouais, parce que je sais que t'aimes bien, non? Ah, j'aime trop. Merci. Bah, écoute, de rien. Hey, t'as vu Sarko, là? Le délire qu'il est en train de se taper? Il veut organiser plusieurs débats avec Hollande. Je sais pas ce qu'il croit. En leur disant si vous ne participez pas au vote, si vous ne nous rejoignez pas, alors vous aurez le droit de vote pour les immigrés en France. C'est ce que vous voulez ou c'est ce que vous ne voulez pas? Monsieur Hollande a dit hier soir à la télévision... Tu veux pas éteindre ton truc, bon. Je régulariserai tout. Tu veux que je te dise, moi, ce qu'ils vont faire? Parce que la régularisation... Non, je vais te dire ce que je ferais si moi j'étais à leur place. Si les électeurs qui sont portés sur la campagne nationale... Ok, ça marche. Alors. Attends, je réfléchis, ça peut pas être spontané, je peux pas trouver un programme comme ça. Attends, il faut dire des trucs intelligents. Une seconde. Ok. Moi, présidente de la République, je promets de protéger ce petit nez. De toutes les horreurs qui pourraient lui arriver, de l'insécurité terrible qu'on voit dehors dans la rue. Okay. Moi, présidente de la République, je ferai en sorte que tu t'occupes de moi tous les jours. Moi, présidente de la République, je régulariserai tout ce petit corps. Tu sais pourquoi? Pour service rendu à la France. Ah, t'es dur. Ça m'a saoulé, je comprends rien. J'ai la tête qui va exploser. Bah attends, tu te fais une petite pause de 15 minutes, ça va te faire du bien. Tu fais quoi, toi? Moi, j'écris un texte. Ah ouais? Tu peux me le lire? Non, laisse tomber, franchement, c'est une chanson. Je l'ai commencée il y a pas longtemps, elle est pas finie, elle est pas aboutie. C'est pas grave, comme ça, je pourrais dire que j'étais la première à l'avoir entendue. Bon, écoute, dis comme ça, je veux bien te le lire une fois. Ouais. Bon, écoute, comment ça fait? Alors, je le vois... descendant de la calèche des rois, arrivant de très loin, des contrées éperdues, il expose sa cour comme on expose ses valets, où la dame de cœur finirait bien par tomber à pic. Il a la chance d'un trèfle qui trompe le destin, il jure les louanges à ses gueux affamés, il promet la luxure aux... Attends-moi deux secondes. Oula, c'est important ça. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est moi-même. Quand ça? Aujourd'hui? Oui, non, c'est possible, y a pas de souci. Merci d'être venu aussi vite, en tout cas. Bah, écoutez, de rien, c'est normal. Bon. Alors, tenez. Ça, c'est l'intitulé exact du poste à pourvoir. Ils ont besoin de quelqu'un dès demain. Désolé, mais y a une erreur, là, non? Hein? Faites voir. Non, c'est la bonne annonce. Mais j'ai jamais demandé à bosser dans le gardiennage, moi. Bon, attendez, je regarde votre dossier. Alors, vous avez mis dans votre dossier que vous souhaitez travailler dans le domaine de la musique. Bah, les studios d'enregistrement, c'est...
Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi là? Eh, vous l'avez lu l'annonce là avant de me la donner là? Mmh. Là, ce qui a marqué, poste à pourvoir immédiatement, recherche gardien de nuit dans un studio musical. Ah mais moi je suis chanteur, je suis pas gardien de nuit moi. Ah ouais. Ouais, désolé. Bah, j'ai pas vraiment l'habitude de m'occuper des artistes quoi. Donc vous êtes intermittent du spectacle là. Non mais il est con, il fait exprès celui-là. Et attendez, juste une seconde là. Vous pensez sincèrement que si j'étais intermittent du spectacle, j'aurais couru comme ça là quand vous m'avez appelé pour votre oui, annonce là? Non, d'accord, vous énervez pas monsieur Calderon, d'accord, on va trouver un... Bon écoutez, voilà ce que je vous propose. On réactualise ensemble votre dossier, d'accord? Et à partir de là, on met en place un projet personnalisé, mais spécifiquement... Vas-y, c'est bon. Et tu sais ce qu'on va faire là? Ton annonce, tu te la gardes, d'accord? Tu te la mets, je pense. Et moi, ce que je te propose, c'est que je me casse d'ici, là. Non, mais vous énervez pas, attendez. Moi, je te dis, avec ton job, là, je suis sûre que tout ça, ça va se libérer en toi. Tu crois? Moi, si tu savais le nombre d'histoires que j'entends au salon. J'ai une cliente, un jour, elle m'a raconté qu'elle avait mis 9 ans. 9 ans, t'imagines? Avant d'avoir son deuxième gosse. 9 ans? Oui. Mais non, mais c'est trop. Mais je te le souhaite pas, j'ai pas dit que c'était ça qui allait t'arriver. Et apparemment, en plus, elle serait tombée enceinte le jour où son mec a gagné au loto. Tu connais quelqu'un qui a gagné au loto? Non, il a juste gagné 200 balles. Tout ça pour dire, bah, le psychologique, c'est 90% du mécanisme pour tomber enceinte. Hein? Comment tu trouves là? Non, mais Moussa, il aime bien quand c'est simple. Oh, pff, ouais, écoute, c'est pas lui qu'il préfère, d'accord? Hein? Moussa, il est gentil, mais bon. Voilà. Et puis fais un grand sourire. Tu verras, toutes les coiffures tireront si tu souris. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes. À un moment donné, il faut arrêter de faire la gueule. Mais je fais pas la gueule. Si, tu fais la gueule. Bon, au fait, t'as appelé ton père pour lui dire que t'avais un taf. C'est très bien qu'on se parle plus. Tu sais quoi? Ça aussi, il va falloir que ça change à un moment donné. Hop. C'est bon, eh ben je l'appelle ton papa. Non mais ça va pas, mais tu plaisantes, donne. C'est bon, t'as plus 15 ans. Delphine, donne-moi ça. Stop, tata, ça. Arrête, ça. Bonjour.
ça vous fait 14,90€. T'as de la monnaie ? Merci. Au revoir. Tu la connaissais, la caissière ? Je la connais pas. Elle était trop chelou. T'as vu comment elle te regardait bizarrement ? Bah, je t'ai dit que je la connais pas. Bah, toi, tu la connais pas, mais elle, à mon avis, elle te connaît. Sur un peu ce que tu dis quand même. Mais vous vous voyez souvent ? Bah tous les jours en fait. Mais on se connaît que depuis une dizaine de jours. Et t'as jamais parlé de moi ? Non. Et t'as parlé d'Eddie ? C'est qui Eddie ? C'est mon frère. Ah non. C'est ton père et il m'a dit qu'il était pas marié, qu'il avait pas d'enfant. Ma mère est morte il y a un mois. Je suis désolée. À la limite, qu'il t'ait pas parlé d'Eddie, je comprends. Ils ont jamais eu un bon rapport avec Eddie. Mais qu'il t'ait pas parlé de moi. Je m'entendais bien avec mon père quand j'étais plus jeune. Le jour où je me suis installée avec mon mec, il a plus voulu me voir. Je sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de photo de moi chez lui, rien. Non, je t'assure. Mais alors, vous parlez de quoi, tous les deux ? En fait, il parle pas beaucoup, ton père. C'est surtout moi qui parle. D'abord, notre système d'intégration ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, parce que si nous accueillons trop de monde, nous ne pouvons plus intégrer. Pas assez de logements, pas assez d'emplois, pas assez d'écoles. Ivry-sur-Seine. C'est toute mon enfance. L'insouciance avant le cauchemar. Rien n'a changé depuis mon départ. Les murs sont un peu plus propres, mais c'est toujours la même merde en dessous. Mes derniers souvenirs de maman heureuse. Bonsoir. Bonsoir, je viens voir monsieur Calderon. Leïla, Leïla, laisse, s'il te plaît, pour moi. Ferme la porte, s'il te plaît. Monsieur Charifi, bonsoir. Comment vous allez ? Ça irait beaucoup mieux si vous n'aviez pas 4 mois de loyer en retard. Attendez, je vais vous expliquer. Vous n'avez rien expliqué du tout, vous allez payer ce que vous me devez. Allez-y, faites comme chez vous, là. Et je suis chez moi. Un appartement meublé et refait à neuf. C'est quoi ça ? J'ai mis un peu de déco là. Quand je suis arrivé ici, je trouvais les murs c'était trop propre. Et moi, les murs propres, c'est pas mon truc. Ouais, et mon truc à moi, c'était de payer en temps et en heure. D'accord ? L'écran plat, il est où là ? Ah non, mais je regarde pas la télé, moi. Je l'ai descendu à la cave. Ah, vous l'avez descendu à la cave ? C'est bon, ça va, elle marche. Hein. Je leur montrerai quand je quitterai l'appart. Alors, soit vous me payez tout de suite, soit j'appelle les flics et je vous fais expulser. Attendez, y'a pas besoin de scénario là, on peut discuter entre adultes. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ça fait des mois que je vous appelle, des mois que je vous envoie des courriers, vous répondez pas. Qu'est-ce que je fais moi ? Non mais attendez, je vais vous expliquer. Je viens de traverser une passe super difficile, j'ai eu des grosses galères financières. Mais là justement, là, je viens de faire une série de concerts. Et demain matin, je devais passer à ma prod. Et là, je devais toucher du liquide, donc tous les retards de loyer, je vais vous les payer là, dans maximum 2 jours. Ouais. Et pourquoi je devrais vous faire confiance ? Parce que c'est simple. Si vous me faites pas confiance, votre argent, vous le reverrez jamais. Vous savez, je vous dire une chose. Moi, je suis protégé contre les gens comme vous, moi. D'accord ? Et les flics, ils peuvent venir ici tant qu'ils veulent, jamais me sortiront de cet appart. Donc là, je vous le dis, dans 2 jours, j'ai l'argent qui rentre, je viens chez vous, je vous le ramène directement. Bon, ok. Ce qu'on va faire, tiens, notez-moi votre adresse ici. Non, ça va, ça va.
vous donner ma carte. C'est l'adresse dessus. Voilà, vous avez l'adresse. Eh, 2 jours, hein. Ouais, c'est bon, dans 2 jours, c'est bon. Que je t'ai filé. Ouais, vas-y, c'est bon, Leïla, me rajoute pas là. Marco, c'est quoi le problème là? Tu payes pas le loyer de l'appart? C'est ça? Oh, tu me dois des explications là, on va se faire expulser. Quoi expulser? Tu risques rien, toi, d'accord? Donc tu me lâches avec cette histoire. Comment ça, je risque rien? Je sais très bien comment ça marche. Si tu payes pas ton loyer, tu te fais expulser. Si tu te fais expulser, ça veut dire moi aussi, je vais me retrouver à la rue. Putain, Marco, t'aurais pu me prévenir. Attends, mais qu'est-ce que tu veux, Leïla? Pourquoi tu me saoules là? Attends, t'as une chambre, tu payes 200 euros de loyer par mois, donc tu restes en dehors de ces histoires, tu me gonfles pas avec ça. C'est pas le problème, d'accord? Par contre, toi, tu m'as trahi, parce que je t'ai donné 3 mois de loyer d'avance. Vas-y, s'il te plaît, arrête de me saouler, là, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Arrête de me saouler, mais t'es sérieux, Marco, là? Écoute-moi bien, si tu m'expliques pas ce qui se passe, je me tire. Ah bah, allez, casse-toi, j'en ai rien à foutre. Quoi, de quoi j'avais raison? Quand tu disais que t'étais qu'un loser, t'avais raté ta vie, que t'étais qu'une merde, tu te rappelles? T'avais raison. Je te faisais confiance, Marco. Je t'admirais. Je me demande ce que j'ai pu te trouver, tu penses qu'à ta gueule. Regarde-toi un peu, t'as rien fait de ta vie. Et le pire, c'est que tu le sais. Tu te lâches jamais dans tes chansons, mais t'es qu'un connard. Toi, t'es un militant. Toi, t'es un révolutionnaire, toi. La révolution, tu l'as fait dans ton canapé. Allez, je me casse. J'étais presque avec Jack. Tu sais, il est pas mauvais dans le fond. Il a juste besoin qu'on s'occupe de lui. Depuis le début, je te dis de le laisser tranquille, ce vieux facho. Le pire, c'est que je commençais à m'attacher à lui. En fait, depuis le début, il se foutait de ma gueule. C'est Marco? Non, tu réponds pas. Mais pourquoi tu veux pas répondre? C'est débile d'arrêter une histoire avant même de l'avoir commencée. Quelle histoire tu parles? Il s'est jamais rien passé entre lui et moi. Bah alors, s'il y a pas d'histoire, je peux répondre. Non, Karine, tu réponds pas, je t'ai dit, tu comprends pas? Ouais, là, c'est Marco, là. Je sais pas combien de messages que je te laisse. Même pas que tu m'en rappelles, ça fait je sais pas combien de jours que j'essaie de t'appeler, là. Alors écoute-moi bien maintenant, va te faire foutre, d'accord? Et tu t'effaces mon numéro de ton téléphone. Comme ça, tu me remercies. Voilà, essaie même pas de me rappeler, c'est fini. Ouais, là, c'est Marco, écoute. Alors, je t'ai laissé un message, je t'ai dit que de la merde, écoute, hein, désolé, je m'excuse. Je savais pas ce que je disais, j'ai trop bu. Thank you.
Ouais, Moussa, ça va? Ouais, ça va, je t'en remercie. Ouais, dis-moi, je t'appelle, j'ai une petite galère là au niveau de mon appart. Je veux savoir s'il y a possibilité que tu m'héberges une nuit de nuit là. Ouais. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Non, non, mais je comprends, y a pas de problème, c'est normal. T'inquiète, je vais me débrouiller. Vas-y, y a pas de problème, mon pote. Bon, on se voit à la salle. Vas-y, je te remercie. Je te rappelle, ciao. Vas-y, merci encore pour tout, ciao. Allô? Ouais, maman. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais, dis-moi, je t'appelle parce que j'ai eu un petit problème là avec mon appartement là. Il y a eu un dégât des eaux avec le voisin du dessus, je te raconte pas, je suis inondé à la maison. 16% de votants ici, 2 heures après l'ouverture. Résultat, les enveloppes manquent déjà. Il faut déjà faire le plein. Oui. Il y a un paquet qui a diminué plus que l'autre ou quoi? J'ai pas trop regardé. On va pas trop dire. Les électeurs seront plus ça va. Putain, t'es relou, Leïla. Sachant que les sondages annonçaient beaucoup d'un. Oui, certainement. La France est chaos, nous sommes les enfants du chaos. Son Altesse, tu déconnes, le peuple aura ta peau. La France est chaos, nous sommes les enfants du chaos. Son Altesse, tu déconnes, la France aura ta peau. C'est le taux de participation à 17h pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est un peu mieux qu'au premier tour il y a 2 semaines, à peine 1,5 point de plus, mais c'est 3 points de moins qu'au second tour de mai 2007 à la même heure. Tu peux faire ça plus tard, s'il te plaît ? Nicolas Sarkozy a voté, lui, peu avant midi, dans le 16e arrondissement de Paris, avec son épouse Carla Bruni. Oh, Cynthia, je t'ai parlé. Tout à l'heure, tu regardes la télé, moi je suis de ménage. Donc 20% d'abstentionnistes du premier tour. Et aussi sur le report de voix des électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou. La présidente du Front National, arrivée 3e au premier tour avec près de 18% des voix, a voté ce matin à Hénin-Beaumont. Elle n'a pas donné de consigne à ses partisans, mais a annoncé qu'elle voterait blanc. Le leader centriste, lui, a voté. S'il te plaît, Cynthia, ils vont annoncer les résultats. Tiens, voilà pour les résultats. Putain, c'est bon. Hey, mais t'es malade ou quoi? Ouais, je suis complètement malade. Ouais. Je suis malade parce que j'en ai marre de tes conneries. Tu t'en rends même pas compte. Un jour t'as une réunion, un jour t'as une manifestation, et quand t'es à la maison, tu passes ton temps à mater sur des balles de balle. Alors t'as même pas le droit de vote, tu vois. Ça me file la gerbe. Ça me rend complètement dingue en fait. C'est ton père qui te rend dingue, quoi. Putain, je te parle de nous. Tu ramènes toujours tout à mon père. Tu le laisses tranquille, mon père, ok? Tu lui fous la paix un peu. Ouais, c'est ça, vas-y, défends les fachos, moi. Ton père est pas un facho, putain. Ton père, c'est pas un facho, Cynthia. Non, c'est pas un facho. C'est pas un facho, ton père, Cynthia. Non, c'est pas un facho. Pourquoi il veut plus te voir, Cynthia? Pourquoi il veut pas te voir, ton père, Cynthia? Ça a rien à voir, putain. Ça a rien à voir. Putain, ça a rien à voir. Règle tes problèmes, Cynthia. Me touche pas. Règle tes problèmes, Cynthia. Règle tes problèmes, je te dis. Vas-y, je me casse. Tu m'as cassé les couilles, là. Ça peut plus durer comme ça, Cynthia. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9%. Oh, l'imprésident! Calme-toi là, c'est pas lui qui va payer ton loyer, le mec. Hein. Faut qu'on aille à la Bastille. Karine, faut qu'on aille à la Bastille. Par la clameur, on va la découvrir. On va voir les deux images. Solferino à la Bastille. Regardez ces images. Jean-Jacques M. Salem va nous les montrer, ces images de joie. La déchéance de mon père. Des coups. Toujours des coups. Chaque jour, plus de coups. Mes mensonges au lycée. Leur faire croire que je m'étais cogné ou tombé je sais pas où. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire à mon père? Ça fait un paquet d'années que je l'ai pas vu. Cette clameur des milliers de partisans François Hollande. Tu veux voir quelque chose? Non.
Tu veux pas t'asseoir? T'es au courant pour ta mère? Ouais. Non, je suis toute seule. Bah non, je te la passerai si elle était là. Pourquoi je te mentirais? Et t'es relou, là. Je sais pas, elle est partie à la Bastille. Je crois qu'ils font une fête parce que Sarko, il a perdu, non? C'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Salut. Ciao. Que je t'ai pas vu. Tu sais, je regrette. J'étais pas bien. Je bossais pas. C'est pour ça que tu me prenais pour un punching ball? Si je te cognais, c'est parce que je savais pas comment m'y prendre avec les marmots. Moi, ce que je voulais, c'était que ton éducation elle soit la plus bonne, quoi. Bah moi aussi, tu voulais l'éduquer. Oh, non. Ta mère, c'est pas la même chose, hein. C'est comme toutes les greluches, à un moment... S'y prenait bien pour me taper sur le système. Enfin, tu dois savoir ce que c'est maintenant, non? En fait, t'as pas changé. J'ai arrêté de boire. J'ai... Tu pars déjà?
Ouais, ma fille, c'est moi, écoute, rappelle-moi dès que t'as le message, s'il te plaît, là, parce que je voulais m'excuser concernant toutes mes conneries, donc rappelle-moi quand t'as le message. Franchement, sans toi, je suis dans la merde, je peux rien faire. Là, c'est moi, bah écoute, je suis à la Bastille là, donc rappelle-moi si t'as le message. Faut que je te vois, faut que je te parle, faut qu'on discute. Putain, réponds-moi sa mère. Ouais, c'est Marco. Eh, vas-y, viens vite à la Bastille là, ces enculés se foutent de notre gueule. On va leur montrer c'est quoi la révolution. Vas-y, Moussa, réponds s'il te plaît. Vas-y, rappelle-moi dès que t'as le message. J'ai brûlé tous les pneus en travers de ma route, en croyant qu'à Paris on cesserait de m'enfumer. J'ai chanté mes détresses aux quatre coins de leur télé, mais forcé de constater qu'ils n'en ont rien à foutre. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. À chacun son marché, quand on goûte la galère. Pour certains le caviar et pour d'autres les fruits de merde qui pourrissent sur le pavé en espérant qu'un badaud les ramasse discrètement pour nourrir sa colère. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. J'ai puisé toutes les larmes de mon corps desséché, par la faim, par la peur de ne pouvoir résister. J'ai marché toutes les rues sans savoir quoi trouver, une petite pièce messieurs dames sans vouloir exister. Tu as
la rue comme un vulgaire inconnu. Un bifton qui s'emballe et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Faut tenir bon qu'ils me disent les bons hommes de pouvoir qui nous chantent la misère mais qu'en parlent sans savoir. J'ai fait le choix de m'enflammer dans ma rue sous les cieux en croyant que peut-être vous ouvrirez les yeux. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue.